Carole Moller, directrice technique de l'Association régionale de soccer de la Rive-Sud. Aujourd'hui, je suis venue travailler avec mon groupe de secondaire 1 du sport-études. On a voulu travailler beaucoup sur les appuis, donc autant sur les balles qui étaient bondissantes. Donc, vous avez vu dans le premier exercice, je leur ai fait travailler des ballons qui étaient en mouvement, mais dans les airs. Donc, ce n'est pas un ballon qui était au sol. Et je leur demandais toujours, là, avec un bond, de pouvoir s'ajuster, ajuster leurs appuis pour pouvoir jouer. Après, on a fait un travail de passe au sol, c'est des petites passes courtes, encore une fois, avec des appuis. Et je voulais que les jeunes travaillent rapidement avec tout ça. Quand on est allé dans la forme de match, on avait aussi réduit les espaces et on leur avait donné des appuis, ils pouvaient remettre le ballon aussi. Et donc, encore une fois, c'était plus simple dans ce jeu-là de retrouver rapidement ses appuis, de jouer en une ou deux touches pour pouvoir faire voyager le ballon le plus rapidement possible.